Que faites-vous des traditions et de la culture, me demande-t-on souvent. Eh oui, nous vivons, en particulier en France, dans un pays avec une longue tradition culinaire. Et on connaît beaucoup de cuisines ou de pays, en tout cas, qui ont une tradition culinaire. Donc, que faisons-nous de ça? Alors là aussi, j'ai une réponse assez directe. En quoi une tradition a de la valeur si elle détruit, si elle fait du mal? Faut-il continuer les corridas? Je pense aussi au massacre des dauphins qui se fait dans la baie de Taiji au Japon. Et le festival de Yulin en Chine où on massacre des chiens. Ça veut dire quoi ces traditions? Au nom de la tradition, faut-il continuer l'esclavage? Il y a une tradition de l'esclavage. Au nom de la tradition, faut-il continuer le machisme? Faut-il continuer le paternalisme? Faut-il continuer la ségrégation des hommes et des femmes? Je ne comprends pas en fait la notion de tradition, quelle valeur elle peut avoir à partir du moment où elle détruit la vie, tout simplement. Voilà, donc je me sens tout à fait clair vis-à-vis des traditions. Il y en a certaines très chouettes qu'on peut certainement continuer avec beaucoup de plaisir. Je pense, je sais pas, au carnaval, Mardi Gras, des choses comme ça. Mais la tradition de manger du foie gras à Noël, de tuer la dinde à Thanksgiving et toutes ces choses-là, non, je ne pense pas qu'il s'agisse de traditions qui méritent que l'on les prolonge. On peut certainement célébrer sans avoir besoin de massacrer, sans avoir besoin de tuer, sans avoir besoin de détruire les écosystèmes et de prendre à la planète et aux générations futures ce que l'on fait à chaque fois pendant les fêtes en particulier. Pour moi, Noël, jour de l'an, Thanksgiving aux États-Unis et plein d'autres fêtes représentent en fait avant tout, et j'entends aussi des fêtes religieuses, représentent avant tout un massacre innommable et inacceptable d'autres êtres vivants, d'autres êtres sentients, et bien sûr, de tout ce qu'on prend aussi aux générations futures pour la planète et pour l'humanité.